décidés, mais accompagnés de ce beau temps qui nous enchante ces derniers jours, il me plaît de revenir sur ce que ne cesse là de me turlupiner depuis quelque temps. Quand nous faisons de la communication notre véritable fer de lance, pendant que d'autres en font leur outil de propagande aux antipodes de l'histoire, c'est vous dire qu'ils sont sur les traces de la Wehrmacht, emportée par l'armée allemande dans le Troisième Reich, et sur celle de l'Union soviétique du temps de Joseph Staline. Inconcevable, inconcevable, qu'il y ait un tel écart entre le peuple et ceux qui le dirigent. Au lieu de le mettre en avant, voilà qu'ils combattent ce même peuple, mais avec une telle véhémence qu'on aimerait bien voir sur les champs de bataille à l'est, mais de la République démocratique du Congo, avec leurs véritables ennemis que sont l'armée rwandaise et l'armée ougandaise, et que sais-je encore. À nous, la communication, notre plus belle arme qui tient tant à notre âme, et à eux, la repression, leur outil de communication par intimidation, qui n'en ont qu'à faire de ce que pense et souhaite véritablement. Voilà que le régime du PPRD, par un tour de passe casse-couille, a désarmé l'armée nationale congolaise au profit des groupuscules qui n'ont point d'amour de la patrie, et en jugé par ce qui s'est passé le 19, le 20, le 21, voire plus, sans autant oublier ce qui se passe mais à l'est de la République démocratique du Congo. Notre armée est simplement un prétexte en trompe-l'œil, et cela saute aux yeux. Oui, que cela saute aux yeux, sauf aux yeux du PPRD. Alors on en vient là à se demander, mais que se cache-t-il? Ces groupuscules qui font l'armée sont devenus simplement le malheur du peuple congolais. Dans un état de droit, l'armée ne se met jamais d'un côté. Il se met du côté du peuple. Car il est le garant de sa stabilité sur le plan géostratégique. Voilà pourquoi nous l'appelons l'armée républicaine. Voilà l'état dans lequel nous sommes actuellement, l'état de notre combat à l'heure où je vous parle, entre l'information et la désinformation, entre la communication et la propagande, un véritable passe d'armes entre nous, entre le Congo et le PPRD, qui se fait passer là pour l'État congolais. N'en déplaise à ceux qui sont limités par leur vision des choses. Mais n'oubliez pas, on dit que les esprits sont comme les parachutes, ils ne fonctionnent que lorsqu'ils sont ouverts. Et à l'heure où je vous parle, nous sommes dans une phase historique qui n'est autre que la venue de l'Internet, qui a démocratisé tant d'institutions et en mis en mal bien de contrevenants. Entre le peuple et le PPRD, il y a là un véritable divorce. Et ces groupuscules qui font l'armée ne sont là que la cause de tous nos malheurs. Le mal-être de Congolais est si profond que seul, je me rends compte, le PPRD et ses partenaires
ne voit pas grand-chose. Et même, je me demande, sans doute, comment verrait-il quelque chose, puisque il ne voit que ce qui les arrange, et non ce qui les dérange. Redouté, redoutable, nous l'avons toujours été, par la force et la pertinence de nos convictions, que ne supportent ceux qui se font passer pour des véritables démocrates. Dans un état dit de droit, à mot couvert, alors qu'au fond, nous savons bien ce qu'il en est. Rassurez-vous, nous n'allons pas faire offense à tous ceux qui se sont sacrifiés pour nous. Et nous n'allons pas faire offense à tous ceux qui se sont battus pour que nous puissions jouir aujourd'hui de toutes ces bonnes choses de la vie, de toutes ces institutions, de tout. Vous savez, il ne faut jamais prendre les gens pour ce qu'ils ne sont. Nous sommes que la suite logique de l'apport de l'histoire. Et nous devons avoir un grand respect à ceux qui ont fait que nous puissions bénéficier de toutes ces bonnes choses. Ils n'avaient rien demandé et quand ils nous donnaient tout ça. Oui, la communication est l'une des plus belles armes entre les mains des démocrates et la pire des choses que ne supportent les partisans de la pensée unique, véritable œil du sphinx, œil de dictateur. Annonciateur des mauvaises nouvelles et du chaos tout annoncé. Par respect, nous devons faire preuve de tant d'humilité face à tout ce que l'histoire nous donne. N'allons pas dans la contradiction. On nous parle de la République démocratique du Congo, mais jusqu'à ce jour, je ne vois toujours pas où est la démocratie. Cette république a plus les allures d'une république dictatoriale du Congo. Oui, nous devons apprendre à aimer qui nous sommes à travers simplement ce que nous véhiculons. À bon entendeur, salut.